Bonjour à toutes et tous, c'est Thomas de chez DefiTech. Trucs et astuces. On a beaucoup de clients qui se plaignent, qui arrivent en magasin et qui nous disent « Mais ma vaisselle a terminé, mon lave-vaisselle a terminé de fonctionner et ma vaisselle sort toute sale ou toute grasse. » C'est un problème qu'on rencontre régulièrement. Alors pour ça, il y a deux solutions. La première, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et la deuxième solution, vous cliquez ici et vous aurez l'explication dans une vidéo « Comment entretenir son lave-vaisselle ». Alors, très important et la question que tout le monde revient, que faut-il mettre comme produit de nettoyage dans son lave-vaisselle? Alors, le plus simple du monde, à l'exception de ceux qui ont des adoucisseurs d'eau, lisez bien votre mode d'emploi, la dureté de l'eau, à combien de degrés régler votre adoucisseur, ça vous le réglerez. Pour ceux qui n'ont pas d'adoucisseur, on met comme d'habitude dans son lave-vaisselle du sel régénérant, du sel pour lave-vaisselle. Vous mettez ça comme d'habitude dans le fond. Ça ne change pas, vous connaissez, il y a en fait un bouchon dans le fond, vous le mettez comme d'habitude. Le produit de rinçage, ça ne change pas, vous êtes toujours obligé de le mettre au niveau de la porte. Vous mettez votre produit de rinçage dedans. Quel produit de lavage je dois mettre dans mon lave-vaisselle? Des tablettes? De la poudre? Sachez que la poudre reste un produit extrêmement efficace. C'est super simple. Vous le mettez à l'endroit prévu pour la poudre, vous refermez et ça ne fait effectivement que laver. Le lave-vaisselle, lui, gère le sel régénérant et son produit de rinçage. Pour les tablettes 3 en 1 ou les tablettes avec sachets, très important. 1, vous enlevez les sachets. Au maximum, enlevez les sachets car les lave-vaisselles, des fois, ont du mal à dissoudre ces petits plastiques. Okay, et même dans les grandes marques, ils ont du mal à dissoudre les plastiques et on a déjà retrouvé des plastiques qui sont partis dans le filtre et même quelquefois dans la pompe. Donc, enlevez-les le plus possible. Pour les lave-vaisselles qui détectent le 3 en 1, ok, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des 3 en 1. Il n'y a pas de problème. Les lave-vaisselles qui ne les détectent pas, évitez. Prenez soit de la poudre, soit des pastilles uniquement de lavage, en continuant bien évidemment à remplir le bac de sel régénérant et le bac de produits de rinçage. Voilà, un petit truc et astuce pour que votre vaisselle sorte bien propre et que votre lave-vaisselle soit nickel. Suivez-nous sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne Facebook, Pinterest et notre webshop. À bientôt. Ciao.